commence avec des gens qu'on connaît. Oui, avec un dessin. Regardez, deux femmes discutent. La première dit à la seconde, j'ai acheté le CD de Renaud. Quelle résurrection! Moi, j'ai des places pour le concert de Claude François, répond l'autre. Alors, c'est quoi l'histoire? Oui, il va remonter sur scène, Claude François, au Palais des Congrès, mais en hologramme. Alors, prouesse technique. Il existe effectivement une prouesse technique qui permet de redonner vie aux stars. Elles sont recréées en 3D, en trois dimensions. On branche des dizaines de capteurs sur une doublure qui ressemble à l'artiste. On filme la doublure sous tous les angles. On la filme dans toutes les positions. On enregistre les expressions clés du visage. Et ensuite, on remplace sa tête par celle de l'artiste personnage qui est donc reproduit numériquement. Et ça marche. Outre Claude François, il y aura sur scène le 12 janvier 2017, donc dans 9 mois maintenant, Sacha Distel, Dalida... Et Mike Brandt nous apprend ce matin, Le Parisien, oui, ils seront tous les quatre sur scène. Enfin, ce sera essentiellement construit autour de Clo-Clo, mais il y aura d'autres visages des années, quoi, on va dire. Alors, oui, 70-80. Ouais. Ce système a déjà été testé et a fait merveille hein, avec Michael Jackson et avec Elvis Presley aux États-Unis. Tout ça dans un contexte, nous dit Le Parisien, où... La nostalgie fait recette. Hein. On rappelle le succès de H. Tendre et Tête de Bois, du spectacle Star 80. Et puis, Sally le Copain, Résiste, Disco, ce sont des comédies musicales qui fonctionnent. Pour ce projet, on avait demandé aussi à France Gall si elle acceptait, que Michel Berger, elle a refusé. Ouais, mais sinon, les familles ont été plutôt d'accord. Voilà. Non, c'est étrange, moi, je trouve ça un peu étrange. Vous avez la nièce de Mike Brandt qui dit, moi, je rêve, je suis né en 76, je rêve de voir mon fils, mon oncle sur scène. Et vous avez la femme de Sacha Distel et son fils qui disent, on est ravis, on n'ira peut-être pas le voir sur scène, parce que c'est encore un peu dur, mais on sera ravis que Sacha Distel remonte sur scène, fût-ce sous la forme d'un hologramme. Mmh. Alors maintenant, quand communisme rime... C'est la morale de l'histoire qui gêne Anna. Il y a non, quelque chose de réel qui vous gêne. Oui, il y a un truc très, très bizarre. Qui vous met mal à l'aise. Oui, ouais. Ça met un peu mal à l'aise. Je comprends ce que vous voulez dire. Il paraît qu'on pourrait les toucher, les hologrammes. Ouais. Alors, quand communisme rime avec tourisme, là aussi, il est un peu question peut-être de nostalgie, allez savoir, mais il se passe que la fascination pour les ors et les geôles des anciennes dictatures communistes bat son plein. C'est-à-dire que vous allez en ce moment dans la capitale roumaine, à Bucarest, et vous pouvez visiter... le palais du peuple où séjournait Ceausescu. Ce palais est devenu aujourd'hui le Parlement roumain, mais on peut aussi visiter, on le voit avec les deux photos en bas, les salons et les appartements du palais de printemps, qui était la villa de la famille Ceausescu, la funeste famille Ceausescu. Le dressing du dictateur et de Yelena, c'est à droite. Alors tout ça est un peu Disneyland, il y a un petit côté absurde. On rend ludique des endroits qui devraient être peut-être des lieux de mémoire. Là, le débat est ouvert ce matin dans le Figaro. C'est mal à l'aise pour d'autres raisons. Vous en avez, vous avez deux pages de débat ce matin dans le Figaro, c'est-à-dire. Si vous allez en Lettonie, si ça vous dit, vous pouvez dormir dans une prison, la prison de Karosta. Vous dormez dans des cellules, non seulement vous dormez dans des cellules, mais en plus vous faites engueuler par des matons qui vous crient dessus toute la nuit, ils sont en costume d'opérette, comme on a pu l'apercevoir sur la... C'est tellement, sur la photo, c'est tellement sportif que c'est interdit au moins de 12 ans. Ah bon. Si vous avez moins de 12 ans, vous n'avez pas le droit d'y aller. Puis alors en Albanie, vous pouvez boire un verre et dormir dans un bunker. Ce n'est plus le bed and breakfast, c'est bed and bunker. Alors, vous savez qu'en Albanie, Enver Hoxha, qui était dictateur paranoïaque dans les années 70-80... C'est compris dans le prix, dans dictateur, il y a paranoïa. ...avait construit partout dans le pays des mini et puis bunkers et puis aussi des gros bunkers. Il y en a 700 000. Comme ça, ils sont tous en béton et ils attendaient d'être attaqués. Mais l'attaque n'est jamais venue. Il faut avoir envie d'y aller parfois en Albanie. À certains coins, c'est pas très... Voilà, on a fini. Il a fini. Eh bien, il s'en va alors. Merci beaucoup. À plus tard.